Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Après Jacob Desvarieux, c'est le saxophoniste anglais Brian Traver qui est mort. Le musicien de 62 ans est décédé dimanche 22 août 2021 dans sa demeure de Moseley, à Birmingham. Depuis plusieurs années, le membre fondateur du groupe reggae UB40 se battait contre un cancer. Ce sont ses collègues qui ont partagé la nouvelle à travers un communiqué de presse. C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons la mort de notre camarade. De notre frère, membre fondateur de UB40 et légende du monde de la musique Brian David Traver. Brian nous a quittés hier soir après une longue et héroïque bataille contre le cancer. Nos pensées vont à son épouse Leslie, à sa fille Lisa et à son Jamie. Nous sommes dévastés par cette nouvelle et demandons de respecter notre deuil. Le musicien avait confié qu'il était atteint d'une double tumeur au cerveau, après avoir été victime d'une crise d'épilepsie l'année dernière. L'état de santé de Brian Traver était tel qu'il n'a pas pu prendre part à la tournée anniversaire du UB40. Les fans et membres du groupe sont donc en deuil et ont partagé beaucoup de messages de soutien aux proches du saxophoniste. UB40 a révolutionné la scène britannique avec ses chansons engagées et rythmées. Les titres les plus connus du groupe sont Red Red Wine et Falling in Love with You. Le groupe UB40 qui tire son nom d'un formulaire de demande d'allocation chômage a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Les membres du UB40 ont également collaboré avec de nombreux artistes étrangers comme Nutea ou Alpha Blondie.